Hey yo les gars, salut tout le monde, je suis le Darodoc, j'espère que vous allez tous super bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de Age of Empires 2 sur la chaîne. Et aujourd'hui les gars on va s'attaquer à... on va se faire une petite vidéo assez fun qui va être tout simplement le système du Moine Rush, donc enfin le Rush de Moine. Donc en fait c'est un système qui va consister en fait à attaquer uniquement avec des moines et du coup des béliers pour les bâtiments. On va pas faire d'unités de combat, toutes les unités de combat qu'on va avoir ça va être des unités qui vont être du coup converties par les moines, mais on va attaquer du coup uniquement aux moines. Donc on va se faire du coup pour ça jeu standard, on va se mettre en 2v2. J'ai déjà prévu les Aztèques, qu'on va jouer les Aztèques. Alors pourquoi est-ce qu'on joue les Aztèques? Parce qu'il faut savoir que les Aztèques ont absolument les meilleurs moines du jeu. Au niveau, une fois qu'ils sont full upgrade en fait, donc dès qu'ils sont totalement améliorés, ils peuvent monter du coup jusqu'à 95 HP, ce qui est quand même relativement intéressant pour des moines. Et puis il faut savoir que les reliques par exemple avec les moines se... rapporte un petit peu plus d'or que pour les autres civilisations au niveau des Aztèques. Donc pour les Aztèques, c'est vrai que c'est relativement intéressant de jouer les moines. Comme carte, on va jouer en arène parce qu'on est déjà un petit peu barricadé. Enfin bref, c'est sympa l'arène. Moi j'aime bien. C'est vraiment du vraiment les. Enfin, tu sais déjà au fait où sont tes ennemis d'une certaine façon. Enfin, tu le devines assez facilement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment bien cette map et je la trouve assez propice en fait au système du Moine Rush. Donc écoutez les gars, moi je pense du coup sur ce qu'on va pouvoir tout simplement commencer la game. Ok les boys, donc toute façon bon je vais pas vous remontrer au début comment ça se comment on joue, comment on débute bien dans le jeu, parce que de toute façon j'ai déjà fait un tuto comment bien débuter sur Age of Empires. Si jamais vous pouvez bien évidemment le regarder si jamais ce dernier vous intéresse. Mais voilà, là pour l'instant on va vraiment se développer vraiment. Comme j'ai toujours fait, quoi, comme à notre habitude. J'ai rien pour de la ferme. Genre, tu vas me dire que là, dans ce camp-là, j'ai pas de baie en fait. Putain, quel enfer. Genre, no joke, j'ai pas du tout de baie. Bon, bah d'accord, ok. Bon, bah on va faire autrement du coup. On va construire ça là. Faut savoir aussi que les moines, au niveau des Aztèques, en fait, ils coûtent 100 d'or. Donc en fait, il va vraiment falloir trouver vraiment des coins où il y a pas mal d'or pour envoyer un maximum de Gugus afin d'avoir le plus d'or possible. Et il va aussi falloir que je trouve où sont un petit peu les reliques quand même. On va aller explorer ça juste après. Putain. La vache, on est collé, mon pote, hein. Franchement, on est collé. Bon, c'est pas. Moi, ce qui est bien, c'est qu'au moins, le mec, je vais pouvoir. Je vais pouvoir peut-être un petit peu l'emmerder à ce niveau-là. Au niveau du. Bon, il a fini bientôt ça, que je puisse passer l'âge 2. S'il y a des Gugus qui traînent trop près du coin de sa forteresse, là, de son camp, j'ai quand même pouvoir essayer un petit peu de les convertir, donc c'est pas trop mal. Bref, on passe déjà à l'âge 2. Je voulais pas forcément faire de ferme dès le début, mais on n'a pas forcément le choix, même si c'est vrai, voilà, on a des moutons, je vais envoyer quand même un gars récupérer la nourriture des moutons, mais pour le reste, on va quand même déjà continuer à faire des fermes. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de baie. On commence déjà avec un petit désavantage, mais c'est pas forcément très très grave. Bon, l'allié, il a quoi? Il joue les Britanniques. Ok, ça marche, c'est vraiment une très bonne civilisation. Les Britanniques, ils ont vraiment des archers qui sont absolument, absolument monstrueux. Vraiment, les Britanniques, c'est vraiment une civi. C'est vraiment super intéressant. Quoique non, j'ai plutôt l'envoyer au bois là parce que l'or, j'en ai pas forcément besoin pour l'instant, mais par contre, le bois, il m'en faut. Hein. Ok. Donc là, vraiment, le plus important, c'est vraiment de se développer, on va dire, le plus rapidement possible. Du moins, le plus rapidement possible pour arriver jusqu'à l'âge 3. Bon, sans trop forcer non plus, hein. Ça sert à rien. Bon, ah, on a un 1 déjà en face. Ok, donc déjà le vert c'est un 1. Sans trop forcer non plus, ça sert à rien. Faut au moins quand même avoir. Comment? Une base économique assez stable quand même avant de passer l'âge 3. Ça sert à rien de passer l'âge 3. Déjà pour passer l'âge 3, même si effectivement on va jouer uniquement avec les moines. Faut quand même derrière que j'ai quand même quelques ressources en bois, etc. pour pouvoir assurer le coup. Ouais, ça progresse jusqu'à l'âge féodal. On est encore tout devant au niveau des statistiques. C'est quand même franchement pas trop trop mal. On va se faire un marché parce que de toute façon je vais en avoir besoin. Il est où mon mate? Il est en bas. Vas-y du coup le marché je vais le faire là. Je vais pas le faire derrière la porte parce que sinon ça va bouchonner là au niveau des charrettes. Même si c'est vrai que je vais pouvoir péter cette porte parce qu'elle sert à rien. Ouais, je la péterai plus tard. Pour l'instant on s'en fout, elle gêne pas. Et puis je vais également faire hop, ça, voilà. Les deux à côté, ils se gênent pas. Voilà, hop, comme ça prend pas de place dans mon village. Je vais pouvoir vraiment me concentrer pour après faire mes fermes. Et puis également mes monastères. Mes monastères, je sais pas trop où est-ce que je vais les faire. Je pense que je vais en faire. Je pense que je vais les faire là, dans cet endroit-là. Ouais, je pense que je vais les faire ici mes monastères. Je sais pas encore trop. On verra bien.
Hop, on va développer la brouette. Histoire que mes gars puissent être un petit peu plus efficaces. Et puis, ah tiens, j'ai deux mecs qui construisent ça, ça c'est pas trop, non, normalement lui il en faut aucun, mais bon bref, c'est pas grave. Donc lui, de toute façon, dès qu'il a fini ça, de toute façon, les deux, non, même les deux, dès qu'ils ont fini, je les renvoie au bois. Voilà, parfait, ok. Bon, après, mon mate, lui, il a que deux fermes. Ah, il a que deux fermes, il a que quelques gugus au, comment. Ouais, qui sont, même pas, il a personne à ses baies, ouais, bon, franchement, il est pas... Genre, ça va, en fait, genre, je regarde à peu près les autres, comment ils sont, pour pouvoir, moi, après, me... M'évaluer en quelque sorte, je sais pas trop comment dire, genre pour regarder si je suis pas trop, on va dire en retard en fait, comparé à mes mates. Mais non, là franchement ça a l'air d'aller, on va bientôt passer l'âge 3. Ok les gars, on passe l'âge des châteaux, c'est merveilleux, c'est super, on passe l'âge des châteaux en 14 minutes 30, ça va encore, c'est pas trop, c'est bien 14 minutes 30 l'âge des châteaux, c'est pas trop mal. Non, il y a pas besoin de le buter, lui on s'en fout. Mais putain, mais il y a pas une relique là dans le coin, bordel. Parce que moi, il m'en faudrait bien une petite, là, pour après, franchement, toi, genre, j'avoue que... Bah, je te dirais pas non, hein. Une petite relique, ça ferait plaisir, même. On va mettre quelques fermes pour après, ça peut être pas trop mal. Tu vas quand même me faire, je pense, une petite tour, déjà, là. Ça pourrait déjà être pas trop mal. Histoire, au moins, de voir ce qui se passe à peu près aux alentours. Putain, mais comment on est serré, c'est pas possible, on est sur une map pour 3 joueurs, là, pas sur 4, pourtant je suis certain d'avoir demandé pour 4 joueurs, pourtant je suis certain au début de la game d'avoir dit que je voulais une map pour 4. Ok les gars, nous sommes à l'âge des châteaux, c'est merveilleux. Donc hop, on va se refaire déjà quelques gugus, et puis on va en profiter pour... Est-ce que j'ai un gars qui fait rien? Non, tout le monde bosse? Putain... Bon, tant mieux d'un côté. Mais on va déjà commencer, je pense, à faire nos monastères. On va les faire là. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait déjà notre mate qui a construit un marché. Donc c'est plutôt cool. On va commencer également à faire des charrettes. Donc c'est plutôt bien. Pour l'instant, on va commencer. On va en faire un. Je pense qu'on va le faire là, dans le coin, là. Hop, comme ça. Petit collé au sapin, là, à l'arbre mort. On va le faire là. Et puis, de toute façon, il faut d'abord qu'on développe tout ce qu'il y a là avant d'eux. Mais ouais, on va faire ça là. Lui... je pense, en vrai, je vais essayer, ouais, je vais faire comme lui, hein. Franchement, je vais faire comme lui, je vais me faire un deuxième forum ici pour histoire de me faire une deuxième base et puis pouvoir refaire plus d'unités, ce qui va pouvoir faire que, ensuite, je vais me développer plus rapidement, avoir plus, amasser plus de ressources, donc ça va être quand même relativement intéressant. Ça, on va continuer par développer ça. Là, j'ai une petite vue au moins sur ce qui se passe ici. Grâce à la tour que j'ai fait, c'est pas trop mal. On va me refaire une ferme, toi. Là, s'il y a vraiment besoin de faire un deuxième monastère pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas forcément besoin d'un deuxième monastère. Pour l'instant, ce qui est vraiment la priorité, je pense, c'est vraiment le développement, en fait. C'est vraiment mes ressources. Voir que je développe ça, moi, après, là. Mais surtout, il faut vraiment que... Là, que je sois à fond. Faut d'abord, en fait, dans une première partie, si vous voulez, avant que je commence à faire là les moines et tout, faut que économiquement je sois là stable. Donc en fait, faut que j'ai des fermes, faut que j'ai du bois, tu sais, au cas où, pour pouvoir quand même reconstruire derrière, et puis que je puisse pouvoir faire des moines comme ça un petit peu en continu. Même si effectivement, c'est vrai que les moines ne demandent que 200 d'or pour être construits, c'est quand même, je pense, assez important d'être bien derrière, parce que bon, si je fais plein de monastères pour faire des moines, mais qu'au final derrière je suis là limité par le nombre de moines que je peux faire, bah ça sert pas à grand chose, tu vois. Genre derrière, je vais vraiment être dans un désavantage vraiment atroce, en fait, comparé à mes alliés. Ou même à mon allié, ou même à mes ennemis. Donc je préfère d'abord commencer par être très stable économiquement, en fait. Allez hop, vous allez me faire une mine ici, les gars. Et vous allez me faire des mecs. Hop là, voilà, vous allez me faire des ramiers. Toi, tu vas me faire une ferme là. Putain, j'ai plus grand chose niveau... j'ai plus grand chose à niveau bois, ouais. En même temps, y a pas assez de mecs. J'ai du monde, mais pas assez, en fait. C'est ça le principal problème. C'est que j'ai du monde, mais pas assez. Bon, là, les gars, je pense que je peux déjà commencer à faire déjà un petit château dans mon coin, quand même, histoire de pouvoir après pouvoir un peu défendre. Tu vois, là, je commence à être pas trop mal encore, même si peut-être que je refasse un camp de bûcherons, en fait. Genre, ces deux-là, ils font vraiment beaucoup de chemin pour aller au camp, je trouve. Je vais faire, voilà, je vais reconstruire un là, ça va être un petit peu mieux. Ici, bah pareil, toi, j'ai continué à faire des fermes. Donc là, c'est bien, ça continue de me faire des mecs. Là, ici, je leur demande pareil, je les envoie au bois. J'en ai un petit paquet déjà qui sont à la mine. C'est quand même plutôt bien. Est-ce que je peux développer ça sans nourriture? Ah non, j'ai pas assez, non. Ah, c'est vrai que la nourriture, en fait, elle part vite, surtout à la vitesse, en fait, à laquelle je fais mes gugus, en fait. Depuis tout à l'heure, je farme les mecs, en fait, je demande, en fait, à faire que ça. Du coup, c'est vrai qu'il y en a un sacré paquet qui se font. Ouais, bah écoute, allons-y, hein.
On va faire les... On va faire les monastères ici, en fait, celui-là, genre, je vais le laisser là, mais en fait, le reste, j'ai vraiment essayé de les aligner, en fait, je vais faire une grosse rangée de deux, là, en vrai. Je pense que j'ai vraiment essayé de faire ça. C'était quoi? C'était Q... C'est quoi le raccourci? C'est F... Ah, c'est QF, d'accord, ok. Ok, je retiendrai. Ok, donc là, je peux encore refaire des mecs, là aussi. Au cas où, est-ce que je fermerai pas, si. Au cas où, je vais quand même fermer, là. Parce que je sens la... Même si j'ai pas assez d'or, de pierre. Je sens la douille arriver en fait. Je sens que les mecs, si ça se trouve, ils vont arriver par là, ils vont me faire chier, ils vont me péter mon forum. Donc là, je vais la jouer. En fait, je vais la jouer safe en fait, tout simplement. Là, après, c'est vrai que je suis là, je suis plus que large en fait niveau du bois. À la vitesse à laquelle mon bois se fait, je suis vraiment très large en fait. Donc c'est cool. Yes, mon château est terminé, donc eux, on va les envoyer là. Et puis là, au niveau des... J'en ai encore, non. Au niveau des moines, en fait, comme vous le voyez, on a pas mal de, quand même pas mal de petites améliorations qu'on peut faire. Ici, on peut convertir également les bâtiments ennemis, excepté les forums, les châteaux, les monastères, les fermes et les pièges à poissons, les murs, portes et merveilles. Ouais, t'imagines, si tu peux convertir les portes, c'est un peu OP. Surtout les châteaux et conneries comme ça, ça ferait vraiment chier. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Coûte quand même cher en or. Les moines peuvent convertir les moines ennemis. Donc ça, ça peut être bien aussi. Les moines se déplacent 15% plus rapidement. Les moines ont 50% de points de vie en plus. Ils sont donc plus difficiles à tuer. Ça, vraiment super important. On va le faire parce que bon... les unités de guérison dans les boîtes... Ouais. Les unités de guérison dans les bâtiments guérissent 4 fois plus vite. Ça, c'est quand même... ça, c'est quand même franchement intéressant. Et puis là, sinon, je pense que je vais m'en faire 4. Mais après, ce qui est vraiment, en fait, important de revenir avec les moines, c'est qu'en fait, il faut qu'un moine convertisse une seule unité à la fois. Faut pas qu'un moine, en fait, si vous voulez, il soit en train de convertir... comment ? Faut pas que ta tripotée de moines qu'on va avoir, tu vois, convertisse tous la même unité. Ça, c'est vraiment l'erreur, en fait, à ne pas faire. Tu vas te calmer, toi ? Qu'est-ce qu'il fait lui avec son moine lui? Qu'est-ce qu'il fout avec son moine lui? Je vais le convertir lui! Ah merde, je l'ai pas fait le. J'ai pas fait le. Tiens, on va faire ça. Et là comme ça lui, il est bloqué. Attends, bouge pas toi, je vais te convertir toi juste après. Bouge surtout pas mon pote. Hop, et donc là du coup, des monastères, je vais m'en refaire. Une petite ribambelle ici, voilà bon. Après là je pense là j'en aurai peut-être assez. Tiens, c'est ce moine là, là lui là. Bouge pas toi. Là, je vais l'emmerder. Il a le seum, il peut rien faire. Allez hop là, tu viens là toi. Hop là, ah, on commence tout doucement, tout doucement. Hop, toi, tu vas me couper ça. Là ça quoi. On va développer ça, très important. Et puis après écoutez, après les gars, moi je pense qu'on va continuer à se faire des petites charrettes hein. ça peut être pas trop mal. Toi, tu viens là. Là, on va développer le reste de ce qui reste à développer, même si ça va coûter putain de cher. Toi, les moines se déplacent 15% plus rapidement. Tu vois, c'est quand même relativement important de gagner 15% de vitesse, sachant que on joue dans une stratégie qui consiste à faire que des moines, tu vois. Genre, je veux dire, en temps normal, ça sert pas à grand chose. Mais là, sinon, en fait, faut rush ça, en fait. Faut faire que ça, quasiment. Ça se tape dessus, là? Ah ouais? Il est déjà en train de leur faire lui péter la gueule. Bah tu sais quoi, en vrai, je vais dire d'aller là et puis je vais... Puis avec mes moines, on va déjà commencer en fait, hein, écoute. Hein. Oh là là, c'est bon, là en bas, c'est décidément, c'est en train de... Putain, c'est en train d'y aller sec là, hein. Incroyable, incroyable. Je dis, vous allez tous là, donc toi aussi tu vas là. Bon bah là, écoute, là mes gugus, je suis pas trop mal. Bah tiens, tu sais quoi, il y a de l'or ici, hop, on va aller la prendre. Puis là, on va se faire v'là les moines, quoi. Non, on va pas faire v'là les moines. On va faire v'là les maisons d'abord, avant de faire v'là les moines. Je l'ai fait au bord, hein. Pff, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres endroits. Si, après, si, c'est vrai, je pourrais les faire en dessous. D'ailleurs, au cas où, c'est ce que je vais commencer à faire. Je vais en commencer à faire une petite ribambelle là, comme ça, que je vais coller contre le mur. Bon, je vais lui dire d'aller vers... hop, je vais lui dire tu vas ici. Ce qui est bien, c'est que du coup, en fait, on va pouvoir se planquer derrière les troupes de mon allié. Comme ça, on va pas forcément... C'est vrai, je voulais faire un atelier de siège ici. Mais en vrai, c'est vrai, genre, je pourrais faire v'là les monastères ici aussi, hein. Yes, j'ai terminé de faire mon atelier de siège. On va pouvoir commencer à faire des béliers après, mon pote. On va déjà commencer par faire comme ça. Comme ça, après,
Je peux les appeler déjà un à un en fait pour aller convertir des troupes. Ça pourra déjà être, je pense, pas trop mal, tu sais, comme ça de tous les envoyer parce que. Le problème, c'est si t'envoies tous les moines convertir la même troupe, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, tu pourras plus convertir les autres, en fait. Après, tu vois. Donc là, hop là. T'en demandes deux. Toi, j'en demande deux différentes. Du bois, merci. Hop là, toi. Et hop là, celui-là, elle est hop. C'est fait. Après, j'espère que mon gars, mon mate, après, il pourra peut-être, il pourra venir. Ça serait bien. Et puis ouais, bon alors vous, bah, tu sais quoi, rien à foutre. Les villageois aussi, vous allez attaquer. On s'en fout. Est-ce qu'on pourrait pas les ramener au niveau des... Faudrait que les gars, ils viennent en fait, là. Les archers, vous pouvez pas faire quelque chose? Non, vous avez pas envie? Non, d'accord. Si, c'est bon, ils se ramènent. Bon, parfait. Au moins, s'ils attaquent... Yeah, c'est bon, ok, parfait. Ok, donc mon mate il y va, donc moi je vais rester du coup derrière les archers. Toi tu vite, soigne-le. J'espère juste pour, en fait, pour moi en fait qu'il va pas... Voilà, c'est bon, parfait. On a déjà converti quelques troupes mon pote. C'est vraiment super. C'est bon. Ok, parfait. On en convertit petit à petit. Petit à petit, on commence à du coup se refaire une petite... on a quelques unités qu'on leur a piquées. C'est plutôt bueno. C'est plutôt cool, mon pote. C'est plutôt cool. Donc là, on a déjà en plus deux béliers. On va améliorer ça, bien évidemment. Hop, on va ramener les autres moines ici. Là, putain frère, on a 1005, on va en faire la tripotée là des moines. Allez, c'est parti, donc du coup moi le gars, je le suis. Hein. Oula, non. Non, toi frère, toi tu vas de... Hop là, parfait. Faut faire attention en fait à tout ce qui est onagre parce que ça peut faire vraiment mal aux troupes. Surtout à mes moines, moi ils peuvent me les buter, mais d'une force. Ça c'est parfait là, ça se fait. On va pouvoir rentrer chez lui bientôt. Ah. Non, le tuez pas. Faut le convertir. Non, le tuez pas. Yeah, c'est bon. Ok, parfait. Soignez-le, messieurs, dames, s'il vous plaît. Soignez ce brave cavalier. Oh oui, ok, ils ont réussi à péter le mur. Bon, et eh ben écoutez, messieurs, je pense qu'on va pouvoir pas tarder à rentrer. Faut que je les envoie là. Faudrait que... Non, le tuez pas. Faut que je le convertisse. Le tuez pas, j'ai dit. C'est bon, on a réussi à le piquer. Parfait. Alors là, on va rentrer du coup avec nos moines et puis avec nos béliers. On va faire en sorte du coup que le bélier, hop là, il aille dessus. Là, on est avec notre bonne tripotée de moines. C'est parfait. On va avancer avec les moines. Vraiment, on va avancer. On va essayer de faire en sorte que... Voilà, c'est pas grave. Au bout d'un moment, faut les laisser aussi, aussi peut-être un petit peu s'entretuer. Hop là, donc toi, tu vas m'attaquer ça déjà. Là, on va essayer de s'approcher du village. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Allez. C'est parfait. On a réussi. Je crois que j'ai réussi à la prendre, à la capturer, sa troupe. Ouais, c'est parfait. Non. Vite, convertis-le-moi, lui aussi, celui-là de cheval. Mais ça va, parce que franchement, en vrai... Putain la vache, tu sais qu'en vrai j'ai eu trop peur là, quand je l'ai vu lui je me suis dit oh putain, comment j'ai flippé gros, non il va me les tuer sinon là, ah il me le tue, non même pas, il me le tue même pas gros, c'est bon, dommage, ah merde j'en ai sélectionné plusieurs d'un coup pour récupérer celui-là de, on peut soigner les unités de siège ou pas, non il peut pas, forcément il peut pas. Et on peut pas soigner les unités de siège, ça paraît un peu logique quand même.
C'est quoi, je pense qu'en vrai, on va rester en retrait parce que là, de toute façon, sinon mon bélier il va lâcher. Puis vu que le mec t'as pas l'air d'être bien chaud pour vouloir m'aider, je pense que je vais me démerder autrement. Les gars, le vert et le jaune, ils ont toutes les reliques. Si on n'y va pas du coup là maintenant, on va. Non, c'est bon, de toute façon, on va le péter. Non, c'est bon, en vrai, on est large. Ils ont soigné toutes nos troupes là, ouais, toutes les troupes qu'on avait converties, ouais, c'est bon, parfait, ok, ils les ont soignées. Moi, je vais, de toute façon, je vais arriver là après avec mes trébuchets. Je suis après en même temps, je suis en train de me faire des béliers, donc on va débarquer avec. De toute façon, on va le château et tout le bordel, de toute façon, on va tout raser. Là, de toute façon, j'ai une bonne ribambelle de moines quand même, donc on n'est pas trop trop mal. Après, niveau gold, je suis pas ouf, mais il faut vraiment que je privilégie en fait les. Je pense, du coup, tout ce qui est bélier et puis peut-être trébuchet même. On va donc continuer d'améliorer un petit peu ce que peuvent faire, comment faire les moines. Donc ça augmente un petit peu la portée de conversion des moines. Et puis également ça améliore aussi le temps de rechargement de foie et tout ça. Donc bon, non, franchement c'est pas mal du tout. Là j'ai mes béliers qui arrivent et tout. Donc franchement on n'est pas trop mal. C'est quoi, on va se foutre là? Je sais pas jusqu'où est-ce que je peux aller. En vrai, je pense que je peux aller jusque là. Donc de toute façon je vais me ramener avec tout le monde. Hein. C'est quoi ça? Un forum? Non. Okay, attends, je vais pas encore faire trop le fou parce que il y a bon, je sais pas si après, je sais pas si ça c'est une bonne idée, mais bon, c'est parfait mon pote. Je crois qu'on est en train de reconvertir à peu près tout le monde là en vrai. Toutes les autres troupes là, on est en train de les convertir. Ok. Est-ce que j'ai perdu des moines? Je sais même pas ce que j'en ai perdu. Ouais, j'ai dû peut-être en perdre un ou deux peut-être. C'est pas trop grave à la limite parce qu'on a récupéré ben un peu tout en fait. Oula, non mais reculez les gars, reculez, vous êtes des oufs. Putain, c'est des baisers, c'est gros. Ah merde, la cible est trop loin. Ah, il y en a. Ah, il merde, les deux n'atteignent pas, c'est dommage ça. Bon, de toute façon, on va reculer. Non, ça sert à rien non plus d'aller sacrifier ces troupes-là. Eux, je vais les avancer. Bon, de toute façon, celui-là, il va se faire défoncer. Mais là encore, ça va parce que, en vrai, là, avec mes moines, je suis en train de soigner absolument, je pense. Ouais, il est en train de nous soigner toutes les unités. Donc, du coup, en fait, le forum, il nous fait quasiment rien, dégâts. Du coup, c'est plutôt bien. Des moines, je vais peut-être m'en refaire un tout petit peu, même si là, du coup, avec tout ce que j'ai, plus tout ce que je suis en train de convertir, il n'y en a pas franchement besoin. Merde, là, je vois que mes fermes. Oh, putain, merde, c'est la merde. Mes fermes sont toutes mortes. Non, c'est bon. C'est bon, les gars, c'est bon, ça, c'est bon. Fausse alerte, on est bien. Lui, on peut du coup terminer tranquillement, du coup, de se le faire. Oh putain. Tout sur l'onagre, c'est bon, parfait. Là, du coup, faut que les gars, ils aillent ici. Toi, tu vas me convertir celui-là. Toi, tu vas me convertir lui. Toi, tu vas me convertir lui. Allez, hop. Chacun me convertit un villageois, là. Ça va pas traîner, hein. Parfait. J'ai trois villageois. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Bah, je sais pas. Du coup, je vais les buter, les trois. Bon, pour l'offensive, du coup, chez le jaune, je pense qu'on va du coup se retrouver ici. Et puis, on va monter, normal, voilà. Et puis, de toute façon, on a énormément de moines, c'est cool. Donc, ça va nous permettre quand même d'avoir une assez grosse cover pour les troupes. Non seulement déjà pour les soigner, mais par la suite, pour pouvoir quand même convertir un sacré nombre d'unités. Donc, c'est plutôt bien, même si là, du coup, en plus de ça, je crois que j'ai demandé d'en refaire en plus des moines. J'ai quand même un petit doute, mais je pense. On va terminer de les améliorer quand même, hein, les moines. Merde, non, ça, je peux pas. Oh là là, fait chier. On va se refaire quelques charrettes. Du coup, c'est une de ces autoroutes avec mes charrettes, c'est bien. Parce que du coup, comme ça mine de l'or, on va dire, en fait. Bon, tu sais quoi? Hop. Hein. Vous allez tous aller me péter là. Ça me gonfle. Allez, hop. Les gars, tout le monde sur la. Sur la porte. Hop là, parfait. Bon, le trou est fait. C'est extrêmement bizarre dit comme ça. Allez les gars, on monte. Alors eux, qu'est-ce que... Ah ouais, tu sais quoi? Eux, ils vont aller en éclaireur, eux. C'est des gars que j'ai dû convertir tout à l'heure, vous allez aller en éclaireur. Ou je sais pas, enfin bref, on s'en fout, on verra bien. Ah, il y a même pas de... D'accord, ok. Bon. Eh ben écoute messieurs dames, je pense qu'il va falloir assurer, hein, parce que là on va y aller vraiment comme ça là, hein.
Attends, on va quand même attendre tout le monde, histoire d'être sûr. Je sais pas si on va quand même pouvoir gagner un combat comme celui qu'on s'apprête à faire là, mais bon, on va bien voir. Alors, les béliers là-dessus, les trébuchets, chuit, sur ça, vous allez m'attaquer ça, et les moines, vous me suivez. Ah ouais, non mais attends frère, ils vont beaucoup trop vite pour Non, ils vont beaucoup trop vite. Est-ce que ça va passer? Je sais pas du tout. J'ai aucune idée. Est-ce qu'on va quand même réussir, messieurs dames? À chaque fois j'en sélectionne un ou pif. Putain la vache, qu'est-ce qu'ils prennent cher tous mes moines en fait. En fait le plus important là c'est de me péter ça en fait là. Faut me péter les... Non, toi tu vas me... Voilà. En vrai détruisez-moi ça les gars. Hein. Sans déconner, faut me péter les onagres. Hein. Parce que franchement c'est ce qui me fait le plus mal. Si là c'est clairement en fait je pense le truc qui me détruit donc heureusement que j'ai ma foi qui se récupère parce que sinon ça aurait été vraiment très très compliqué je pense. Oh c'est bon là on les a quasiment complètement ouverts. Sa petite vieille armée. En vrai j'ai cru que son armée elle allait me faire la peau. Mais en vrai non même pas. Bon tu vois lui on va hop le petit hop là voilà lui il est converti c'est parfait. Droit devant, hop là, vous allez aller sur le forum et là on va tout simplement avancer pour continuer du coup de faire mes conversions. Merde. Oh je peux convertir ça aussi. Faut se soigner les gars entre vous. Hein. Voilà parfait. Ah, faut vraiment être à côté en fait pour convertir le bélier. Hein. Non, attends. Enfin, j'essaie de convertir. Convertis-moi ce bélier. Parfait, merci beaucoup. Allez hop là, on l'envoie également de notre côté. C'est parfait, c'est top. Par contre, eux, ils ont pas vraiment une attitude. Non, pourquoi ils sont en attitude défensive? Non, mais. Genre vraiment, détruisez tout ce que vous pouvez, les gars. Hein. Hop, ce bélier là aussi, toi tu vas me le récupérer. Toi tu vas aller me récupérer celui-là. Non, arrêtez de l'attaquer. On va aller convertir même les charrettes, rien à foutre. On s'en fout, mon gars. On construit tout ce qu'on trouve. On convertit absolument tout ce qu'on trouve. On a rien à faire, c'est merveilleux. Allez. C'est bon, il aura fini de me le convertir celui-là. C'est bon, il a fini. Ouais, parfait. Il a fini de me convertir ce bélier-là. C'est vraiment top. Ouais, et au final, en vrai, le rush de moine, en vrai, c'est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir à la fin de la game combien d'unités j'aurais converti. Je sais pas si j'en ai beaucoup, parce qu'au final, ça a pas beaucoup tapé. Mais franchement, quand même, je suis quand même content de voir que, quand même, nous avons mené cette bataille avec succès. C'est quand même franchement pas évident. Parce que, ouais, franchement, on a quand même quelques petites unités de combat, hein, franchement, hein, qu'on a piqué chez l'ennemi. Hein. Donc, bon. Ah, il a abandonné. Bah, du coup, c'est-à-dire qu'on a gagné. Il restait plus que, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, voilà. On a gagné. Maître de la conversion. Oh, les succès qu'on s'est fait. Ah, trop bien. Lourd. Bon, bah, et franchement. Voilà. Mon premier rush de moine sur Edge. Enfin, sur la chaîne, en tout cas. Pas sur Edge. Alors. 53 unités, on a converti. Parfait. Oh là là, ça c'est top ça, on a quand même réussi à convertir sa contre unité, c'est plutôt bueno. Bon, et bah écoutez, voilà les gars, la vidéo se termine là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, c'était le Darwaduck, un grand merci d'avoir suivi, et à la prochaine. Ciao ciao.